Amis, frères et sœurs, où que vous soyez confinés, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, son Fils, notre frère, mort et ressuscité pour nous donner la vie. Bienvenue à chacun et à chacune pour ce temps de culte, en ce 48e jour de confinement. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en communion les uns avec les autres par la musique, le chant, le partage de la Bible et la prière. Nous avons appris qu'un nouvel horizon se dessine à partir du 11 mai prochain, celui de la sortie progressive du confinement. Mais il nous faut encore redoubler de prudence alors que nous bouillons d'impatience. Il nous faut encore tenir dans la durée, en maintenant nos liens à distance, que ce soit en famille ou en église. Nous pensons aux personnes touchées par cette pandémie, dans l'épreuve de la mort de leurs proches ou de leurs amis. Nous pensons aux soignants et aux personnes de l'ombre qui aident à maintenir notre quotidien malgré la fatigue et le découragement. Pour manifester cette communion, je vous invite à louer le Dieu de la vie avec cette prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te louons pour tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, mais qui ne se voit pas. Nous te louons pour les petites choses de la vie, celles que personne ne remarque, celles que l'on soupçonne à peine. Nous te rendons grâce pour cette lueur de joie dans les yeux d'un malade, pour la complicité d'un enfant et le passant d'un instant. Pour le geste gratuit, un sourire, un regard. Nous te rendons grâce pour le silence gardé aux portes de la révolte, pour le pardon donné au lieu de la vengeance, pour la parole d'amour à la place de l'insulte, pour la prière muette au cœur du drame de l'autre. Nous te louons pour l'humble, qui se tient à l'ombre du puissant, pour l'inutile en apparence, pour le bien qui jamais ne peut se dire, et pour les joies secrètes au milieu des tourments. Amen. Alléluia. Nous chanterons maintenant au psaume 84. Que nous prendrons dans le psautier français, les strophes 1, 2, 3 et 4, qui s'intitulent « Dans ta maison, je suis heureux ». Vous pouvez suivre les paroles sur votre écran.
prions ensemble et nous déposons devant le Seigneur tout ce qui nous sépare de son alliance. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds qui m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec le souci qui m'assaille du dehors et les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité, de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Amen. Dans le livre du prophète Jérémie, il est écrit ceci. « Moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Que notre esprit ne se trouble plus et que cette parole nous apporte la confiance et la foi en notre Dieu. Et nous confessons cette foi. Je crois en Dieu qui rejoint l'homme dans les plis de sa vie, qui se fait connaître de lui par une présence aimante. Je crois en un Dieu qui ne comble aucun vide, mais qui vient habiter avec moi les vides de ma vie. Je crois au Christ, humain comme nous, et fidèle au-delà de nous. Je crois au Fils de Dieu, qui m'aide à devenir enfant de Dieu. Je crois à l'Esprit d'adoption qui me donne Dieu pour Père, et les humains comme frères et sœurs. Je crois en l'Esprit de Dieu, qui anime notre foi et nous révèle le règne de Dieu. Je crois en Dieu qui rejoint l'homme dans les plis de sa vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à la prière. Éternel, Dieu de la vie, au moment d'ouvrir la Bible pour y entendre la parole que tu nous adresses, viens nous rejoindre là où nous en sommes. Si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, ta parole prendra tout son sens. Notre marche s'orientera et notre chemin se précisera. Par ton esprit, éternel, Dieu de la vie, viens ouvrir notre cœur et notre compréhension à l'intelligence de ta parole. Permets qu'elle naisse en nous et qu'elle soit pour nous non seulement une force qui fait vivre, mais aussi le moteur de nos engagements et la source de nos inspirations. Amen. Nous lirons aujourd'hui dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc
et ils ne parvinrent plus à le retirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et il se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Frères et sœurs, cela fait maintenant 7 semaines que nous sommes retranchés chacun chez soi et que notre vie sociale et aussi paroissiale est réduite à son strict minimum. Les édifices religieux de toute dénomination sont fermés au public et notre temple et notre maison presbytérale ne dérogent pas aux règles sanitaires préconisées. Cela veut-il dire que les activités n'existent plus ? D'une certaine manière, oui, puisque les rassemblements ne peuvent plus avoir lieu. Mais grâce aux outils Internet, ils se font autrement. Est-ce que cela veut dire que les associations d'entraide ne remplissent plus leur mission auprès des plus démunis ? D'une certaine façon, non, mais elles agissent autrement. Les baptêmes et les mariages sont-ils annulés ? Pour le moment, oui, mais ils sont différés dans le temps. Les familles en deuil sont-elles toujours accompagnées ? Alors oui, mais les célébrations d'obsèques se font en comité restreint, en plein air ou par téléphone en cas de crémation. Les cultes d'action de grâce se feront ultérieurement. Voilà donc des questions extrêmement concrètes qui rejoignent non seulement tous les ministres actuellement dans un poste pastoral, mais également les familles concernées et l'ensemble des conseils presbytéraux qui veillent au meilleur fonctionnement possible de l'Église locale dans une situation inédite. D'une Église, entre guillemets, humaine,
Nous sommes passés à une église, entre guillemets, virtuelle. Une église à distance, sans contact physique. Les relations humaines sont réduites à un minimum contraint et organisé qui peut atteindre le moral et la patience. Même si nous avons appris il y a quelques jours qu'un nouvel horizon se dessine, avec ce retour progressif à la vie sociale et économique de notre pays, et peut-être un retour culturel et ecclésial, qui ne pourra s'effectuer que sous certaines conditions et dans la plus grande prudence, pour éviter une nouvelle vague de l'épidémie, la nature ayant horreur du vide, pousse chacun dans ses retranchements en le faisant retourner à son organisation personnelle, à ce qu'il sait faire de mieux. Nous sommes dans un entre-deux. Et c'est dans cet entre-deux que le texte de l'évangile de Jean nous est proposé. Ce morceau d'évangile nous présente les disciples de Jésus, eux aussi dans un entre-deux, après la mort de Jésus et avant de partir en mission. C'est une histoire à la fois insolite, merveilleuse et troublante, qui s'inscrit dans un ensemble de récits d'apparition du Christ ressuscité. Insolite parce que ce récit de l'évangile de Jean fait penser à deux autres récits présents dans l'évangile de Luc, la pêche miraculeuse et le texte des pèlerins d'Emmaüs. Ces deux récits sont combinés pour former le récit d'aujourd'hui. Merveilleuse parce qu'après avoir pêché toute la nuit, sans rien prendre, ce qui est une situation classique d'échec, voilà que sur une seule petite indication de rien du tout, à savoir jeter le filet du côté droit du bateau, la pêche devient surabondante comme par magie. Troublante parce que si nous nous attardons sur les détails du texte, on y remarque assez vite des incohérences. À la question de Jésus « N'avez-vous rien à manger ?» ce qui entraîne la réponse négative des disciples, puisqu'ils n'ont rien, effectivement. Voilà que Jésus les invite à déjeuner sur la plage avec du pain et des poissons sur la braise, sans qu'on nous dise d'où ils proviennent et tout en leur demandant d'apporter leurs poissons. C'est donc un récit mélangé qu'il faut prendre le temps de déchiffrer afin d'en reconnaître la valeur hautement symbolique. Qui sont-ils, ces disciples? Il y a Simon-Pierre, qui a renié Jésus. Thomas, celui qui a besoin de preuves. Nathanaël, originaire de Cana et qui consacre sa vie à l'étude des Écritures. Les deux fils de Zébédée, dont l'épouse rêvait pour eux d'une ascension sociale. Et deux disciples anonymes, dont le disciple bien-aimé, qui était au pied de la croix. Chacun est là, avec son histoire et sa personnalité, comme Simon-Pierre qui garde sa détermination. Le disciple qui reste anonyme peut symboliser chacun d'entre nous écoutant cette histoire. Ces hommes sont retournés en Galilée, selon l'exhortation du ressuscité dans les évangiles synoptiques. Ils sont revenus au point de départ en se demandant sûrement comment continuer. Ils sont dans un entre-deux. Sur le bord du lac, ils ont repris l'activité qu'ils connaissent le mieux, à savoir la pêche. On ne nous dit rien de leurs états d'âme, mais ils pêchent de nuit, symbolisant les ténèbres. Sur la mer, symbolisant le danger, les difficultés ou la mort. Et sans rien prendre, symbolisant le désastre absolu. Même au bord du lac, leur vie est confinée parce qu'elle est habitée par l'échec de toutes les facettes de l'abandon, de la fuite et de la démission. Ils expérimentent aussi le vide que représente la mort d'un être cher qui les plonge dans une vie qui n'a plus le même goût. Le matin vient et c'est celui d'une aube nouvelle. Jésus se tient sur le rivage, mais, nous dit le texte, il ne savait pas que c'était lui. Cette phrase fait écho à la rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine.
Tout en parlant, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Les textes qui parlent de la présence du ressuscité disent tous la difficulté de le reconnaître ou d'identifier concrètement cette présence, comme pour signifier que Dieu peut venir également à notre rencontre sous une forme inattendue, à laquelle nous ne sommes pas préparés et qu'il nous faudra reconnaître dans un après-coup. C'est la troisième fois que Jésus se montre ou se manifeste après la résurrection. La première, c'était en rencontrant Marie-Madeleine le matin de Pâques et en rencontrant les disciples calfeutrés sans Thomas le soir même. La seconde fois, c'était une semaine plus tard avec les disciples, en présence de Thomas. Mais tout cela ne semble pas suffisant. Les disciples sont toujours dans cet entre-deux au moment de cette troisième manifestation. Mais quelque chose est en train de bouger. À la question que pose Jésus à ses disciples, « N'avez-vous rien à manger ?» Les disciples répondent « Non » et ils accèdent simplement à la vérité qui est en eux. Alors deux signes vont être posés pour sortir de cette situation, la pêche miraculeuse et le partage du pain et du poisson. Sur l'indication de Jésus, les disciples jettent leur filet sur le côté droit de la barque, autrement dit, ils jettent le filet du bon côté, au sens propre, mais qui, au sens figuré, est un synonyme d'optimisme et peut vouloir dire « prendre les choses du bon côté » ou « regarder les choses positivement ». Tout échec peut être surmonté, qu'il s'agisse d'une pêche bredouille, d'un reniement ou d'une désertion. Le filet est si rempli que les disciples peinent à le ramener sur la berge. C'est à ce moment-là que le récit bascule. Comme au matin de la résurrection, le disciple bien-aimé, qui est aussi la figure du disciple véritable, est le premier à reconnaître Jésus et il alerte Pierre, qui, fidèle à lui-même, se précipite. Cette annonce provoque en lui une sorte d'électrochoc. Il s'habille, car il était nu, nous dit le texte. Il met son vêtement autour de sa taille comme une ceinture et il plonge dans la mer. Être nu dans la Bible, c'est se reconnaître imparfait, faible et vulnérable. La nudité de Simon-Pierre nous rappelle d'autres nudités, comme la honte d'Adam et Ève dans le livre de la Genèse après leur transgression, ou encore cet homme nu de l'évangile de Marc qui s'enfuit au moment de l'arrestation de Jésus, qui est encore un clin d'œil à la citation du livre du prophète Amos « Le plus courageux d'entre les braves s'enfuira nu ». En mettant son vêtement autour des reins comme une ceinture, Simon-Pierre dit quelque chose d'autre de lui-même. Il revêt l'habit du serviteur. Ceindre ses reins, dans la Bible, signifie contenir ses passions pour le service de Dieu. Simon-Pierre devient le serviteur du ressuscité et il s'immerge dans l'eau pour le rejoindre sur la rive. On peut voir en filigrane, dans cette immersion, le symbole du baptême. La mission de Pierre est ainsi inaugurée. Il rejoint Jésus près du feu sur lequel cuisent du pain et des petits poissons. En effet, le mot grec utilisé pour désigner le petit poisson est un mot qui se traduit par frottin, le poisson qui passe par les mailles du filet. Jésus demande qu'on apporte les gros poissons, désignés en grec par ce mot ictus, qui deviendra le symbole des premiers chrétiens clandestins. Et il y a un va-et-vient incessant dans ce jeu de mots entre gros poissons et menu frottin. Si la pêche symbolise la mission des disciples, les poissons sont au nombre de 153, chiffre énigmatique s'il en est, qui parle certainement aux contemporains de l'évangéliste Jean, mais sans doute moins à nous aujourd'hui, mais qui peuvent tout de même signaler le caractère universel de l'Église. Et c'est là toute la richesse de ce texte chargé en symboles. Cela permet de faire notre propre supposition. On peut tout à fait imaginer que ces gros poissons désignent au moment de la rédaction de cet évangile
les responsables des premières communautés chrétiennes. Quand Jésus dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous avez pris », c'est pourtant le mot « fretin » qui est employé dans le texte grec. Et c'est comme s'il était dit que les gros poissons devaient être rassemblés avec le menu fretin. Mais qu'est-ce que le fretin? Sinon le symbole du plus petit, du plus insignifiant, du plus dérisoire ou du plus fragile. Et aussi le symbole de ce qui n'est ni dans les règles, ni dans la légalité, ni dans les habitudes. Il désigne encore tout ce qui est issu d'une autre réflexion, d'un autre système de pensée ou de principe. Il représente, me semble-t-il, celles et ceux qui sont sur le seuil, qui attendent d'être intégrés d'une façon ou d'une autre dans l'Église naissante et qui ont une origine différente de celle des disciples. Le filet est alors une symbolique de l'Église. Les disciples, agissant sur la parole du Christ ressuscité, se mettent à l'œuvre et rassemblent des êtres humains de partout, dans l'unité d'une unique communauté solide, stable, persévérante, à la fois souple, flexible et résistante, autrement dit, adaptable à la nouveauté, parce qu'elle est enracinée dans la personne du ressuscité. La mission peut alors être féconde, et il n'y a aucune peur à la mener à bien jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pour cette Église naissante qu'une conviction fondatrice. Il n'est aucun échec pour l'être humain comme pour le monde que Dieu ne puisse surmonter. Une autre condition est de mise, en dehors de celle de faire confiance, c'est de faire la paix avec le passé. Et c'est ce qu'inaugure le petit déjeuner sur la plage, après la pêche miraculeuse, le partage du repas préparé par le Christ ressuscité pour ses disciples. Personne n'ose poser la question « Qui es-tu ?» car maintenant, ils savent que c'est lui. C'est ici et maintenant que pour eux, tout s'éclaire. Le Dieu de Jésus-Christ ne se confond ni avec la malchance, ni avec le malheur. Au contraire, celles et ceux qui placent leur foi en lui et qui se mettent à son école ne seront ni des résignés, ni des courbés de la vie, mais des hommes et des femmes debout. Être debout, c'est justement être ressuscité, ou en tout cas, être suscité à nouveau. Cela ne va pas de soi, mais c'est possible. C'est cette expérience que les disciples sont en train de faire sur la plage. Jean et la communauté joannique peuvent à leur tour témoigner de la résurrection, qu'ils n'avaient peut-être pas comprise jusque-là. Il fallait une rencontre qui ouvre à d'autres compréhensions, à d'autres expressions de la foi, à une autre théologie. La mission de l'Église est née ce matin-là sur une plage du lac de Tibériade, avec une pêche miraculeuse et le partage du pain et du poisson grillé, deux signes de réconciliation entre les disciples et le ressuscité. Pour avancer vers l'avenir, il leur fallait faire la paix avec le passé. Avec cette épidémie qui ravage le monde des grands comme celui des petits, qui révèle un nombre incalculable de dysfonctionnements à tous les niveaux, ces mêmes dysfonctionnements qui nous faisaient dire chacun à notre manière « ça ne peut plus durer, nous allons dans le mur », nous voici plongés dans un entre-deux. C'est sans aucun doute le moment de reconnaître que notre façon actuelle de régir le monde est en train de prendre fin. Voici ce qu'écrit un prêtre de l'Église catholique, professeur de sociologie à la faculté de Prague. Lors des grandes calamités, il est naturel de se préoccuper d'abord de besoins matériels pour survivre. Mais on ne vit pas que de pain. Le temps est venu d'examiner les implications plus profondes de ce coup porté à la sécurité de notre monde. L'inéluctable mondialisation semble avoir atteint son apogée. La vulnérabilité générale d'un monde global saute maintenant aux yeux. Quel genre de défi cette situation représente-t-elle pour le christianisme
pour l'Église et pour la théologie. L'Église universelle, elle aussi, est plongée dans un entre-deux. Une grande partie des institutions, toutes dénominations confondues, a failli à sa mission de protéger les plus petits et les plus vulnérables en s'octroyant un surplus de pouvoir, ce qui a entraîné et entraîne encore une désertion des lieux de culte de la part des fidèles. Aujourd'hui, l'Église universelle est invitée à repenser non seulement sa mission, mais également sa théologie. Quel signe de réconciliation avec le passé va-t-elle poser pour construire le monde d'après le coronavirus? Pour commencer, faire la paix avec le passé, se reconnaître dans une foi commune, s'asseoir à la même table de la fraternité et du partage réciproque, trouver ensemble de nouvelles façons de dire Dieu et de témoigner de notre foi dans la richesse de notre diversité. Amen. Nous nous unissons maintenant par le chant du cantique 265 du recueil Louange et prière qui s'intitule « Ne laisse pas ma foi défaillir loin de toi » et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 dont vous pouvez suivre les paroles sur votre écran.
terminer ce culte, je vous invite à la prière. Éternel, Dieu de la vie, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Merci de nous permettre maintenant de te dire ce que nous ne comprenons pas et ce que nous avons du mal à accepter. Toutes les souffrances dont nous sommes témoins, celles que nous portons, les deuils, les maladies incurables, les détresses affectives, les violences, les angoisses, les injustices. Dans le même temps, nous comprenons que si nous vivons, c'est parce que tu nous as donné la vie. Alors, dans cette même prière, nous te disons aussi merci pour la vie, pour nos vies, pour ce qu'elles ont de belle et de joyeuse et pour l'avenir que tu leur donnes. Éternel Dieu de la vie, inspire-nous encore, nous te le demandons. Inspire-nous d'aimer, de devenir, d'être avec, pour parler, marcher, soutenir, encourager, accueillir, pleurer, partager la joie, écouter et connaître celles et ceux que tu nous donnes de rencontrer. Et s'il nous arrive de faiblir, de douter, que nous puissions être accueillis, soutenus, relevés et réconfortés. Que par nos vies, nous te glorifions et que nous te bénissions. Nous croyons en ta présence dans nos vies et dans celles de nos proches. Renouvelle en nous la joie de notre mission, porter ta parole et ton amour pour le service des plus petits d'entre nous. Éternel Dieu de la vie, nous te remercions du fond du cœur de permettre de nous rejoindre par l'ensemble des réseaux sociaux et par le site internet, en particulier pour ce culte. Nous te rendons grâce pour toutes les initiatives artistiques, ludiques, pédagogiques, humoristiques, qui nous permettent de garder bon moral malgré les circonstances, qui révèlent notre créativité en imaginant de nouvelles formes d'activité, de fraternité et de solidarité. Et nous te rendons grâce pour la prière tout simplement à la mesure de nos moyens, qui nous fait tenir debout jour après jour. Ensemble, liés les uns aux autres malgré les distances qui nous séparent, nous te disons d'un même cœur la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Père vivifie en vous la grâce de sa présence. Le Christ ressuscité accompagne toute votre vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous aussi vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.